Là, on est sur une première expérience. C'est vraiment une formation un peu pionnière dans le domaine, puisque nous démarrons donc ces 2 jours et demi sur l'entrepreneuriat avec les élèves de L3 de l'IAE de Grenoble. Et l'objectif de cette formation, c'est de démarrer un programme qui va durer 3 ans, qui s'appelle IAE Starter. Et l'objectif, c'est de poser les bases de cette dynamique en leur faisant vivre une expérience d'entrepreneuriat. Donc là, ils sont créateurs d'une entreprise en transport aérien. Ils ont des défis à la fois de communication, de construction, de développement à mettre en place. Et donc il y a un certain nombre de débriefings qui sont mis en place à l'issue de chaque mission pour leur permettre de mettre des mots sur ce que c'est qu'un entrepreneur, ce que c'est qu'un manager, ce que c'est qu'un innovateur. Alors on essaie de leur faire apprendre par l'expérience. C'est vraiment la vocation de Talent Campus. Alors, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Pas encore trop, tout va bien. On est très heureux de l'engagement des élèves, qui sont très motivés, il y a une belle dynamique dans les groupes. Et puis, l'autre audace de ce dispositif, c'est que nous avons formé des enseignants de l'IAE, qui étaient volontaires pour porter la démarche auprès des élèves. Et donc, à l'issue d'une journée et demie de formation de formateurs, les voilà dans les salles, en train d'animer les groupes, en train d'organiser les débriefings. Et les retours de ces enseignants pour l'instant sont très positifs. Voilà, ils se retrouvent dans une posture assez nouvelle pour eux puisqu'ils sont animateurs, ils ne sont pas forcément les détenteurs du savoir. Et en même temps, on peut tout à fait faire apprendre quelque chose à des élèves sans forcément maîtriser à fond un sujet, notamment l'entrepreneuriat. Pour ma part, ça a été quelque chose, je pense, de très enrichissant. On s'est découvert créatif, on a fait des choses qui sortaient vraiment de l'ordinaire. On a appris à travailler en groupe avec de nouvelles personnes, à se soumettre un peu au stress. Et au final, ça fait vraiment ressortir une cohésion d'équipe et c'était vraiment très très bien.